ne se font pas au hasard. Elles naissent sous la roche effriable. Sa circulation font des petits trous qui peu à peu s'agrandissent. Quand il pleut, l'eau est acide et l'acidité creuse des trous. À cause des petits trous, la roche devient plus fragile. Parfois, il y a des roches qui tombent. Une à une, l'eau les emporte et ça fait un trou de plus en plus gros. Ont trouvé beaucoup de gravures et de peintures en France. Sur ces murs, le bison, le cheval, le mammouth, le bourdin et le roche sont les plus reconnus. En observant bien, nous pouvons aussi voir des mains dont les doigts sont pliés. Drôle d'idée!